Coucou les récréations de Paula, donc nous sommes le 23, balade dans les tropiques. Alors, moi j'ai envie d'utiliser cet oiseau, même s'il faudra que je lui coupe en... Si je mets une montre, je sais pas encore. Ça vient d'une boîte à gâteaux de chez un pâtissier cet été. Donc j'ai quelques plumes. J'ai ceci ou alors ça. Donc je ne sais pas trop. Pour l'instant, on va commencer à coller. Je vais peut-être pas faire toute la page pour changer. Allez, on va déjà coller ça et on va voir où ça nous mène. Je n'ai aucune idée. Donc, un pinceau. Du vernis colle. Est-ce que c'est mon vernis colle? Voilà. Du vernis colle. Comme je ne sais pas du tout ce que je vais faire, évidemment, c'est difficile de préparer. Donc là, j'improvise complètement. Donc le vernis colle, c'est un papier ça, assez épais hein, que je suis en train de coller. C'est pas vraiment une carte postale, mais c'est un peu cette épaisseur-là. Donc là, ben, on fait ce qu'on a envie. Hein. Peut-être qu'au final, je vais pas du tout utiliser l'oiseau, je n'en sais strictement rien. Voilà, moi les tropiques, c'est plus la nature, comme d'habitude. Hein. Voyez, il faut bien mettre du vernis colle pour que ça puisse vraiment bien coller. Celui-là, il est un peu trop régulier, donc je vais le découper. Moi, si j'imagine les tropiques, c'est un grand fouillis de végétation et il n'y a pas de ligne droite. Alors. On va remettre un peu de rose ici, ça équilibre avec là-bas. Quoique là, je l'ai mis tout droit. Peut-être parce que c'est près du bord que ça ne m'a pas gêné. Donc voilà, déjà ça c'est fait. Qu'est-ce que je vais faire après? Nettoyer la colle qui est tombée à côté avec le pinceau, ça c'est sûr. Voilà, donc est-ce que mon oiseau... J'aurais presque dû couper de l'autre côté. Ouais, j'aurais dû mettre là pour que mon oiseau aille bien. Donc du coup, ça va beaucoup me perturber cette histoire. Pas de contraste. Si j'avais fait l'inverse, l'ensemble de l'oiseau, voilà. Il a fallu que je fasse dans ce sens.
Donc c'est quand même français aussi. Alors, qu'est-ce que je peux avoir pour les tropiques? Là, comme ça, d'un coup, d'un seul, je ne sais pas. Y a un toucan là à côté. Alors, il me semble que j'avais des découpants. Là, c'est marin. Là, c'est bébé. Alors, voyons ce que j'ai découpé. Je me suis fait des découpes cet été. Donc là, non. Ah, voilà. Là, c'est toutes les bestioles. Donc, peut-être que dans les bêtes, j'ai un toucan déjà. Donc, je vais vous remettre dans le bon sens. Pas vraiment ce que je cherche. J'ai des lapins. Pas grand chose de très exotique, moi. D'un autre côté, j'ai un toucan aussi ici. Et voilà, j'ai coupé le toucan. Pas grave. Voilà, avec le vernis-colle, ça se verra pas. On va partir avec les toucans. Donc, je reprends ma colle. Va essayer de se débrouiller uniquement avec du papier collé et des tamponnages. Ça va changer aussi. Vous savez que j'aime bien changer. Et là, j'improvise complètement. Bon. Donc lui, il est bien collé. Alors là, c'est du papier pour le coup, c'est vraiment épais. Hein. Lui, il est adhésif, mais je pense qu'il faudra quand même un petit peu de colle. On va voir. Voilà. Je pense que là, on va l'aider un petit peu pour le bec. C'est fait. Alors, est-ce que je prendrai un peu de cette fleur rouge ou pas du tout? Non. Donc, on va partir dans les tamponnages. Alors, j'en avais attrapé un. Voilà. Qui me fait penser au tropique. Je ne sais pas, mais peut-être bien puisque je l'ai attrapé. Donc, c'est celui-ci. Et donc ici on va mettre celui-là. Moi du vert je n'en mets pas. On est dans les deux, on va mettre. Et je resterai bien dans les bleus verts là. Donc allons-y pour du bleu. Alors, je vais le remonter. J'oublie toujours le haut de la page. Donc ici, on va bien appuyer
ben voilà. Je m'y attendais. Alors, il faut que je mette un plexi en dessous. Là, je ne sais pas si je vais pouvoir le rattraper, ça. Voilà les bêtises en direct. Alors après, en tamponnage, qu'est-ce que je vais avoir? Donc toujours nettoyer. Et moi j'aime bien avoir les tampons nettoyés. Après je sais qu'il y en a qui les utilisent et qui ne les nettoient jamais. Donc là on ne peut pas dire que j'ai un goût d'écriture parce que c'est plutôt des cris d'oiseaux. Alors, tropique, exotique, monde imaginaire, allez hop. C'est parti. Je vais faire un peu ce que je veux. Comme d'habitude, hein, mais bon. Allez. Qu'est-ce que je peux mettre en dessous? On embête que. Ça n'imprime pas à chaque fois. Alors, n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait, pourquoi pas. C'est possible aussi, hein. N'hésitez pas à vous lancer dans le art journal. C'est vraiment très ludique. Alors, équilibrer avec un petit peu de noir. Alors, le noir pour faire un rappel avec, je pense que c'est un toucan. Non, peut-être on va prendre des végétaux, tiens. Est-ce que j'ai des feuilles? Qu'est-ce que j'ai qui fait un peu tropique? Alors, je vais refermer. J'ai cette feuille-là. Celle-ci. La frappe d'hiver. Normalement, j'ai une memento. Voilà, c'est toujours celle qui est le plus au fond de la pile. J'ai pas de verre aussi vif, mais bon. J'appuie très fort. Je vois ici mon toucan qui se décolle. Donc, il a envie de s'envoler. On va le coller. Bon, reste à ta place.
Et on va continuer. Alors, ça glisse, ça. Qu'est-ce que je peux mettre? Et qui deviennent de plus en plus lourds là pour s'appuyer sur moi. J'essaye de travailler dans votre sens. C'est pas forcément toujours évident, je vais le tenir. Alors, on va continuer à mettre des feuilles. Là, j'ai glissé. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on voit tellement que ce sont des feuilles. Bon. Alors, vous savez qu'à main levée, c'est pas tout à fait ça. J'y arrive pas vraiment bien. Je sais que les copinettes qui arrivent. Ah, je sais pourquoi ça glisse. C'est là. C'est le vernicole. Voilà, là on voit bien que ce sont des feuilles. Alors vous voyez, des fois on a une idée de départ et on part sur quelque chose de totalement différent. D'où le lâcher prise. Laisser aller, faire ce qu'on a envie. Alors là, moi j'en ai assez. Je rajouterai bien une petite fleur exotique. Alors qu'est-ce que j'ai? Pas vraiment des fleurs, ça. C'est pas exotique du tout. Il faudrait un hibiscus ou quelque chose comme ça. C'est pas le bon tiroir. Je ne crois pas avoir du biscuit. C'est des pâquerettes. Hein, donc. Ça c'est beaucoup trop grand. Ça c'est pas bon. J'ai des orchidées, donc pourquoi pas. Allez, va pour les orchidées. Donc là, je vais reprendre du rose. Difficile de tenir le carnet, de tamponner. Alors, là, je vous montre quand même. Voilà, c'est le côté jungle qui me plaît. Je sais pas, peut-être pour pas mal de gens, les tropiques, c'est la plage, je sais pas. Finalement, là, c'est mieux de faire comme ça. J'aime bien les tamponnages en couleur. J'aime bien superpositionner aussi les tampons. Superposer, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais plus. Voilà. Allez, une petite pour la route. Voilà. Donc là, je
Je vais mettre ça à tremper et je le laverai tout à l'heure. Bien sûr, je vais les mettre pleines d'encre. Et j'en ai mis aussi sur mon carnet. Je regarde ce que ça donne à l'endroit. Donc c'est vraiment la jungle, hein, c'est l'esprit que je voulais. Donc j'ai balade dans les tropiques, hein, que je cernerai bien de noir. Et ensuite je vais chercher une bordure. On va commencer d'abord par balade. Balade. Non, mais on ne voit pas beaucoup. Je vais tourner vers moi avant d'être sûr du positionnement des étiquettes. Je vais lui mettre un escalier comme ça. Allez, la colle. Allez. Bon, j'ai pris un escalier. Donc c'est un petit peu décalé à chaque fois. Donc, voilà, balade dans le tropique. Maintenant, le tout, je le ferai bien en élevé. J'ai pas envie de quelque chose de droit. On va dire que ce sont des lianes, mais. Voilà. Ici, je mettrais bien quand même quelque chose de noir, parce que je trouve qu'il y a un manque. Alors, dans le même tour, peut-être une petite bulle. C'est vrai que c'est pas noir, noir foncé. Je
du moins pas aussi foncé que les oiseaux. Voilà. Bon, et bien ma page balade dans les tropiques est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.